prendre l'oreille et les couteaux 5 mètres ici, mettre dans un premier temps le maximum de son assimilation comme dans le temps. Dans les points, quoi. Ben, voilà, après, après vous faites une. Donc, l'équipe numéro 2, qui est là, elle va partir d'ici, pour aller jusqu'à la queue, pour faire le mieux possible dans tout cet ensemble de la fesse. Et l'équipe numéro 3, elle va essayer, vive le tour, hein, de la queue ici, vive le tour. Hein. Sa vignette pédagogique, la route se partage. Thomas a évoqué la mémoire. Notre ami Thomas, et il va nous parler aujourd'hui, eh bien, d'un sujet qui lui tient à cœur et qui nous tient à cœur. Thomas, la route se partage entre cyclistes et automobilistes. C'est à vous. Les voitures et puis qu'on roule pas très vite, c'est le moment de la petite minute du conseil la route se partage du jour. Alors d'abord ça, je vais vous la poser sous forme de question, Alexandre, Marion et Laurent, est-ce que vous savez à quoi ça descend vite, vaut mieux laisser la priorité. Le poids lourd, le cycliste est dans l'angle mort du poids lourd et quelquefois il y a des accidents dramatiques, et il y en a un d'ailleurs qui a touché un garçon de Vendée U il y a pas si longtemps que ça. Excusez-moi, pour confirmer vos propos, vous parlez de Romain Guyot, un jeune coureur du Vendée U à qui on a... Il a ravagé. Dans la légende, bien sûr. La flèche que vous avez vue avec sa double galerie, hein, à claire-voie, magnifique galerie. Cette flèche date de 1766. On était sous le règne de Louis XV. Les agriculteurs du Finistère nous tendent la main et ont, comme on dit, le cœur sur la main. C'est le thème de ce concours organisé chaque année sur le Tour de France par la FNSEA.
Et pour compléter ce que nous disait Thomas Voeckler par rapport à sa vignette pédagogique, la route se partage, Thomas a évoqué la mémoire du jeune coureur de l'équipe Vendée-U décédé l'an dernier. On précise également que demain... à 10h le soir, défoncé. Tu as l'impression que tu passais ta journée dans le cuissard. Hein. Tu l'enlevais, une douche, manger au lit et on le remet. Quoi. Et encore, c'était pas l'époque... Il y a eu bien pire bien avant nous. Hein. Donc, oui. Mais ils en parlaient hier d'ailleurs, Bernard Arnault, oui, sur le plateau. Vous avez fait la grève en 1978. Vous avez fait la grève pour ça. La fameuse grève de Valence d'agents. D'ailleurs, vous avez vu aussi. On vous a vu aussi hier, Laurent Gélabert, en train de protester. Vous étiez tout jeune. Il reste, en les départageant en cas d'égalité, il reste devant. Eh bien, on va l'écouter, Tom. Comment dites-vous, Laurent, Tom? Squins. Squins, au micro de Rodolphe Godin, c'était ce matin. Cowboy.